Hello les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Newek, on est parti. Comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, on est parti pour faire des tirages, des pièces hop, puisque en fait dans l'événement que je vais te montrer ici là, en fait, enfin, plutôt dans l'émission, eh bien on pouvait récupérer je crois jusqu'à 550 pièces, 580 pièces hop, et du coup 1000 cristaux. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, j'en ai récupéré aucune, tout simplement parce que j'avais envie de faire une vidéo avec en fait toutes les pièces hop que j'allais tirer. Donc là, on va tout récupérer. Donc là, je vais en avoir 500 et quelques des pièces hop et 480, j'en ai 580, bon, non, 580. Donc là, du coup, je n'ai plus qu'à récupérer, qu'à faire mes tirages. Et ensuite, je vais pouvoir ici récupérer mes 1000 CC. Ça fait vraiment plaisir, 1000 CC. Sachant que j'en ai déjà beaucoup. Allez, donc, on est parti. On en a 580. On est parti. J'espère que je vais avoir, je vais vraiment avoir du beau. J'espère que je vais vraiment avoir du beau. Notamment, j'espère vraiment pouvoir choper de l'énergie. Genre avoir au moins 100 énergie, avoir au moins 100, avoir au moins une fois 100, ah 30 tickets pass, c'est pas mal, ça c'est pas mal, sachant que, alors je t'ai pas montré, mais juste je vais te montrer ce qu'on peut avoir dans le tirage hop, bon les médailles rares c'est toujours intéressant, les PZ aussi, et là bah, on peut avoir des extracteurs, on peut avoir des pièces de platine, ce qui est vraiment bien, les 100 tickets pass, on peut avoir ici 100 énergie. Moi, niveau énergie, ticket pass, c'est moyen, hein. Je crois que j'ai 3000 énergie et je dois avoir 4500 ticket pass. Donc ticket pass, je suis bien, puisque la limite est à 5000. Par contre, énergie, je suis vraiment pas exceptionnel. Donc voilà. Et ce qui est également appréciable, c'est qu'on est revenu sous l'ancien format des pièces hop, c'est-à-dire avec les PZ, et non en fait, en fait quelque chose de prédéfini. Donc bon, allez, j'aimerais bien avoir au moins... Bon, pour l'instant, il n'y a pas de 100 énergie. On a principalement... Bon, d'accord, bah voilà, hein, j'ai déjà en fait un PZ de famille royale de Vegeta, parce que j'en avais déjà 3, parce que la limite, en fait, est, est juste de 3, donc il y a 10 énergie, c'est déjà pas mal. J'ai quand même pas mal d'extracteurs de cases, hein, mais comme tu as pu le voir... Oh, 50 tickets passe. Mais comme tu as pu le voir, c'est 3% les extracteurs. Et ce serait pas étonnant qu'à la fin des tirages hop... qu'à la fin des tirages hop, je sais pas, genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai eu, Super Saiyan, que à la fin des pièces hop, j'ai choix full ticket pass et full full extracteur de cases. Là-dessus, je serais vraiment pas étonné. Donc bon, là, c'est quand même beaucoup, hein, un peu beaucoup de comment dire, d'âmes, mais franchement, j'ai besoin d'âmes violettes, d'âmes vertes, parce que je suis à sec. Les violets et les verts, je suis vraiment à sec. Et là, ces pièces-là, là aussi, elles sont les médailles d'échange d'âmes. C'est aussi pas mal, j'en ai combien? J'en ai 26, le maximum c'est 99. Ça, c'est vraiment pas mal. Parce que ça permet, en fait, d'obtenir bah, 1000 âmes classiques ou 200 âmes Zenkai. Et c'est vraiment appréciable quand, quand tu veux monter tes Zenkai. Moi, ce qui est mon cas, c'est-à-dire qu'il y a certains Zenkai, j'ai débloqué leur arbre, mais, mais je peux pas le monter. Je peux pas monter l'arbre. Oh, 50 tickets pass. Oh, je pense que tickets pass, je risque d'être full aussi. Hein. Ouais, il y a certains Zenkai, en fait, j'ai... Oh, 100 énergie. Ah, j'avais dit que je le voulais au moins une fois. Et ça y est. Donc, du coup, j'ai eu mes 100 énergie. Donc, ça, c'est vraiment appréciable. Ouh, deuxième fois que j'ai 100 énergie. Exceptionnel. Alors là, exceptionnel. Deux fois sans énergie. Alors là, franchement, je suis refait. Alors là, mais je suis... Pff. Imagine, j'ai une troisième fois. Mais alors là, je suis mais triplement, triplement refait. Sachant que vraiment, je suis à la dèche, hein, vraiment, au niveau des énergies. C'est vraiment pas... Voilà, comme je dis. Bon, peut-être que le mec, il y en a certains qui vont se dire, ouais, le mec, il a 3000 ou 4000 énergies. Moi, j'ai 500 énergies, je suis dans la merde. Faut savoir qu'à une époque, j'étais monté à 9299 énergie et que c'est en fait... ah, j'ai plus de ticket pass, je crois que je suis full ticket pass. Et c'est la guerre des guildes qui a eu lieu pendant l'anniversaire qui m'a vraiment mise à sec, hein, puisque j'ai fini avec 15 millions de points. Ouais, ouais, un peu de ticket pass. Je peux plus porter de ticket pass. Ok.
Bon, je commence à être full ticket pass. Je l'avais dit hein, que je risquais d'être full ticket pass. Ouais, mais je pense que je vais bientôt être full, full gomme aussi. Hein. Enfin, full extracteur de cases là. Hein. Là, je dois être au moins à 90 extracteurs de cases. Bah, attends, on va cliquer. Dès que j'en ai un, je vais cliquer dessus. Je vais voir. Il y a aussi les lingots. Les lingots, c'est vraiment pas mal. Parce que les lingots. Moi, je suis pauvre. Alors, je suis pauvre dans le sens où les Zenkai et surtout. Alors, je suis à combien là? Ah, je peux pas le voir. C'est surtout en fait le reset des justement des cas des cases en fait d'objets qui m'ont mis dans le mal en fait parce que ça te coûte 12 millions si c'est un objet normal et 20 millions quand c'est un objet éveillé. Ouh, deux fois pièce de platine à noter, ça c'est vraiment sympa. Waouh, alors ça je suis vraiment content parce que pièce de platine, soit je prends de l'énergie, soit je prends des extracteurs de cases, ça dépend, mais sachant que c'est 30 énergies. Ça te donne 30 énergie ou 3 extracteurs de cases. Bon, par contre, les tickets pass, ça commence à être un peu relou. En fait, j'en ai à chaque tirage. Donc, mais bon, je vais pas me plaindre parce qu'il y en a certains qui n'en ont pas beaucoup. Donc, je compatis avec ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de. Alors, c'est quoi comme truc? Saga des films. Bon, c'est bien parce que j'ai justement mon Broly jaune SP à monter. Et voilà, le dernier. Est-ce que le dernier m'aura régalé? Ah oui, pas mal, hein, puisque j'ai eu deux extracteurs de cases plus médaille d'échange d'âme. Alors là, je suis plutôt bien, bien, bien refait. Donc, je vais aller récupérer mon dû. Je vais aller récupérer mes 1000 CC. Voilà, ça fait plaisir. Demain, je vais avoir 1000 CC du tournoi du pouvoir, puisque je suis normalement bien classé. Je vais aller vérifier ça tout de suite quand même. Mais normalement, je suis plutôt bien classé là. J'ai fini à 41 millions. Et du coup, hier, j'étais classé genre 2200. Mais ça bouge plus trop à la fin. Hein. À la fin, ça bouge plus trop. Là, je dois peut-être être 3000. Top 3000, un truc du genre. Donc, franchement. Demain, ça va être 1000 CC. Voilà, je suis top 2500. Donc, il faut être top 6000 pour être classé. Bon, tiens, je vais aller lancer ma 23h. Puisque je l'ai récupéré. Voilà, bah écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que toi aussi tu as été chanceux avec, avec tes tirages de pièces. Hop, hop. Et bah, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas donc à liker, partager, commenter. Et puis à mettre un petit commentaire, à me dire si toi tu as été chanceux avec ces tirages. Hop, hop. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Bye bye.